il y a eux-mêmes qui jouent le jeu globalement. Et je vous demande maintenant d'accueillir Jacques Cheminade, monsieur Cheminade, candidat à l'élection présidentielle, s'il vous plaît, si vous voulez bien nous rejoindre. Merci. Voilà, vous êtes Jacques Cheminade, administrateur civil, diplomate et candidat pour la troisième fois à la présidence de la République. Je vous en prie, si vous voulez bien rejoindre. Vous le savez, les règles du jeu, nous sommes presque au bout, mesdames et messieurs, de cette matinée. François Fillon conclura dans quelques instants, mais d'abord, monsieur Cheminade, vous avez 10 minutes avant de répondre à nos questions. Je vous en prie. Madame la Présidente, mesdames, messieurs, je suis ici, s'il vous plaît, parce que l'agriculture, quelles que soient les détresses d'aujourd'hui, l'agriculture est espérance et élan vers le futur. Ce grand métier d'avenir devra alimenter 10 milliards d'êtres humains d'ici 2050. Nous sommes bien placés pour y prendre notre part, chez nous et dans le monde, pourvu que nous combattions la dictature financière à court terme, qui nous étrangle, et que nous mobilisions nos forces pour une reconquête de nos marchés intérieurs et extérieurs, pour une politique de structuration des filières et d'innovation sans complexe dans tous les domaines. Rendons justice à ceux qui exigent justice pour leur travail et qui travaillent 14 heures par jour. Tout d'abord, personne n'ignore que le temps de la production agricole n'est pas celui des marchés financiers qui spéculent à la micro ou à la nanoseconde. C'est dans ce contexte scandaleux de contrôle financier qu'apparaît la crise agricole. La crise agricole n'est pas un problème agricole, c'est un problème politique. Sous la présidence de François Hollande, la promesse du Bourget n'a pas été tenue. Les répercussions de cette soumission financière ont été particulièrement injustes et humiliantes dans notre domaine agricole. Mon projet veut d'abord qu'on relève la tête. Interdire aux mégabanques de proposer à leurs clients des placements par nature spéculatifs sur les prix des matières premières agricoles. Multiplier les circuits courts, comme à Colmar, par exemple, cœur paysan, afin de couper les ailes aux vautours financiers pour qui la terre n'est pas un milieu vivant, mais un support à leur spéculation insensée. Organiser un moratoire et une vraie restructuration de la dette des agriculteurs et rétablir en même temps les conditions pour des prix garantis, des prix planchers garantis, correspondant à ce qui est nécessaire à une exploitation pour vivre, rembourser ses emprunts, avec des moratoires, et investir. Négocier avec les pays des BRICS la mise en œuvre d'un nouvel ordre économique mondial gagnant-gagnant, sans réticence ni complaisance. Lever aussi dans ce contexte, bien sûr, les sanctions contre la Russie, en exigeant en contrepartie de leur part de lever leurs contre-sanctions et d'acheter notre viande et nos produits laitiers. Même type de relation avec la Chine, exigeant une place dans le poste de pilotage en promouvant nos intérêts sans cesse. Ne pas passer d'accords internationaux comme TAFTA ou CETA, sacrifiant les fondements de notre agriculture, tout en n'ayant en même temps pas peur du monde. En nous battant pour des accords internationaux qui soient justes, respectant la qualité de notre nourriture, qui est exceptionnelle dans le monde. Et il faut de plus en plus en convaincre nos dirigeants. En bref, ne pas avoir peur du reste du monde, mais en se battant de toutes nos forces contre sa financiarisation pour un monde plus juste dans lequel l'agriculture tienne toute sa place. Si l'agriculture est un domaine stratégique, comme on dit, soyons sérieux. Prenons-la en compte stratégiquement avec une stratégie cohérente de combat. Voici le cadre, donc, politique général de mon projet. Je crois qu'il faut commencer par là, sans ça le reste, c'est de belles paroles. Les implications dans le domaine agricole direct. Premièrement, arrêtons d'opposer les agriculteurs de différents types d'agriculture. Il y a place pour tout le monde et il y a complémentarité. La permaculture, le laboratoire même, l'agriculture biologique et biodynamique, l'agriculture raisonnée et notre agriculture de grande surface ayant sa vocation exportatrice. Il n'y a pas incompatibilité, mais complémentarité. Circuit court, circuit long, grossiste, restauration hors domicile, distribution et exportation. Je me battrai sur tous les terrains
ouvrant, comme vous dites, les champs du possible. Nous avons, d'une part, de grandes filières d'excellence et, d'autre part, des fermes qui font à la fois, par exemple, du maraîchage et des grandes cultures. Mon objectif partout est la conquête pacifique de marchés. Et oui, deuxièmement, dans ce contexte qui est pour moi une Europe à refonder entièrement, il nous faut la PAC intelligemment protectrice d'États-nations qui redonne espoir à notre agriculture et que je défendrai de toutes mes forces dans l'Europe des patries et des projets qui est l'Europe qui doit venir. Si les anciens modes de régulation des marchés ne fonctionnent plus, il n'y a pas d'issue qui ramène au passé, jamais. Créons-en de nouveaux avec des mécanismes d'assurance sur les prix et les quantités, des aides alimentaires, dans une Europe harmonisant enfin ses règlements. Nos principaux concurrents sont l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et les Pays-Bas. Eh bien, faisons par rapport à eux ce que nous devons faire. Pour cela, pour une agriculture mieux intégrée, je propose 10 milliards d'euros qui soient versés à nos agriculteurs, ce qui représente le double de ce que proposent Messieurs Macron et Fillon, mais seulement une année de la part de la France dans la PAC actuelle. Prenons par exemple la restructuration de nos filières, la mise à jour des bâtiments, la fusion d'exploitations entre agriculteurs volontaires, comme les maires réalisent des fusions de communes sans devoir passer par le préfet. En m'opposant à deux choses, d'abord par le cadre législatif, l'oligopole des quatre grandes centrales d'achat pour arrêter la mainmise que fait la distribution sur la production. Ils ne connaissent que des rapports de force, imposons-les. Pour une politique européenne, une vraie, disons, basta à Bruxelles, ou à ce qui lui succédera, dans l'Europe refondée, lorsqu'elle s'oppose à la mutualisation du combat des agriculteurs au nom de sa fameuse concurrence libre et non faussée. Troisièmement, conquête, protection intelligente, avec ce troisième pilier, plus important encore que l'innovation. Faire de l'accès au numérique un service public afin d'éliminer les zones blanches. Le numérique vient vite, très vite, et je soutiendrai la commercialisation par les réseaux sociaux. Favoriser la robotique là où elle s'impose pour réduire la pénibilité du travail tout en diminuant les traitements phytosanitaires. IAOS, par exemple, vous l'avez vu avec ses capteurs embarqués pour désherber les l'exploitation dans le maraîchage. Je suis convaincu que pour avoir à la fois des robots et des cultures bio avec une traction cheval, parce que la réalité est plus riche que les caricatures, l'agriculture 3.0 est bien notre réalité, rendons-la humaine, c'est cela le défi. Favoriser les drones, évidemment, qui permettent d'établir les plans de fumure, et vous connaissez tout le reste. Je vais aller plus loin, quitte à choquer certains. Nous devons sauver nos semenciers, et ne pas bloquer les recours aux NBT, les fameux New Breeding Technologies. Nous ne devons pas, pour ces technologies, suivre la législation OGM et au contraire avoir des brevets, une certification d'obtention végétale, le fameux COV. Il y a une bonne nouvelle, c'est que rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques vient de nous dire que ces choses ne sont pas des OGM, que les produits par croisement sexué et les produits qui ont été obtenus par la mutagénèse, sans qu'il y ait d'éléments étrangers, ne sont pas des OGM. Enfin, je soutiendrai la mobilisation de l'INRA dans la bataille pour les nouvelles technologies. D'abord, par tous les progrès qui sont faits dans l'étude et l'application des interactions champignons-bactéries-sol, les micro-organismes bénéfiques aux plantes. Vous savez, ça a été fait pour les fraises avec un grand succès. La maîtrise raisonnée de ce monde qui grouille sous nos pieds, c'est aussi l'agriculture du futur que je défendrai. Ensuite, associer l'INRA aux semenciers dans la recherche de nouveaux systèmes à l'échelle du moléculaire pour échapper aux monopoles mondiaux. Et tout de suite, pour défendre notre terrain, je me battrai pour une fiscalité améliorée permettant, et c'était votre proposition et je la pense tout à fait juste, de faire des réserves défiscalisées et pas soumise aux cotisations sociales quand ça va bien, pour ensuite être fiscalisées lorsqu'elles doivent être réinjectées dans l'entreprise quand ça va mal. Une minute. Je mettrai également en place la TVA sociale pour défendre nos producteurs, tout en supprimant les cotisations maladie et famille dans la mesure
où la compensation est mesurable. J'aurai encore beaucoup à vous dire, mais pour conclure, je dirai, comme je me bats, donc je suis optimiste. Et je pense que comme vous battez, vous êtes aussi optimiste. On peut aujourd'hui dire ras-le-bol à Martine à la ferme, puisque Christiane est au gouvernail. J'y vois un heureux présage du monde qui vient, à condition de ne pas sacrifier les acquis de celui qui a été, car le présent et le futur, c'est l'agriculture et c'est la France. Merci. Dix minutes tourneront, merci Jacques Cheminade. Alors, première question, Jérémy de Serles, qui représente les jeunes agriculteurs, le président des jeunes agriculteurs. Monsieur Cheminade, j'aurais une question. Comment souhaitez-vous régler ou traiter la question du renouvellement des générations en agriculture? Alors, à la fois l'installation des jeunes, comment souhaitez-vous accompagner ces porteurs de projets qui sont encore nombreux, ou en tout cas, il y a un potentiel de jeunes, notamment dans les écoles d'agriculture, qui souhaitent venir dans le métier. Comment souhaitez-vous ou comment proposez-vous d'orienter les politiques pour ces jeunes? Et aussi la transmission, qui sera un des enjeux importants pour ces 10 prochaines années. Comment souhaitez-vous aussi, de ce côté-là, accompagner les cédants? Et on a parlé pendant nos deux jours de congrès FNSEA du statut d'agriculteur professionnel. C'est quelque chose que nous souhaitons mettre en place rapidement, avec donc les candidats et le prochain président de la République. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît être une chose utile pour faire reconnaître un peu mieux le métier d'agriculteur? Alors, c'est une question dans plusieurs questions. Je dirais d'abord qu'il y a un esprit qu'on connaît peu et qu'on a peu fait connaître en France, c'est celui des maisons familiales rurales. Parce que là, il y a une attention qui est donnée à la personne. La famille, l'école, la vie sociale sont intégrées dans les maisons familiales rurales. Et c'est de ce point de vue-là qu'il faut voir l'agriculture et l'accès des jeunes aux exploitations. Bien évidemment, dans ce que je défends, avec une banque nationale, une banque qui est une banque pour l'investissement, il y aura un secteur agricole qui prêtera aux jeunes en fonction de leurs projets. Et il y aura de véritables, je pense, incubateurs à avoir pour former de jeunes agriculteurs en relation avec les maisons familiales rurales. Donc, en ce qui concerne la transmission, évidemment, je suis partisan qu'elle soit, pour ce qui est entreprise, et en particulier, évidemment, pour les exploitations agricoles, réduite à zéro lors de la transmission, pourvu qu'on garde l'exploitation pendant 10 ans. Donc, c'est un accord. Et c'est un accord pour le futur qui doit être gagnant-gagnant. Enfin, oui, tout à fait partisan du statut d'agriculteur professionnel. Je pense qu'il y a des domaines en France dans lesquels il faut créer des statuts. Le statut de l'élu, qui touche directement aux communes et à la vie rurale, et les statuts des agriculteurs professionnels, qui touchent à cette évolution de notre espace rural, de nos paysages et surtout de notre travail. Alors, deux questions qui viennent de la salle. Votre position sur les problématiques d'eau et des dossiers environnementaux au regard de ce que vous avez dit sur votre soutien à l'innovation, vous l'avez bien décrit. Et puis, est-ce que tout simplement vous maintiendrez un ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire? Jacques Cheminade. Oui, je crois qu'il faut maintenir un ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, à condition, comme pour la Banque nationale, que je propose que les forces vives de la nation y soient plus associées. La France est un étrange pays. Vous avez quelqu'un comme Arnaud Montebourg qui avait créé les commissaires au redressement productif et qui avait nommé des énarques comme commissaires et pas des chefs d'entreprise. Je pense que le chef d'entreprise doit être actif dans ce ministère, consulté et plus consulté ouvertement encore qu'on ne le fait aujourd'hui. On a dit qu'il y avait une gestion paritaire avec la FNSEA et le ministère de l'Agriculture. Je crois que ce n'est pas vrai. Il y a des influences, il y a des rapports, mais il faut rendre tout ça plus direct et donner un sens plus clair à ce rapport agriculteur, organisation agricole et ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Il faut une intégration de ce point de vue-là. L'autre question était sur... Alors, non, c'était l'aspect, il y avait la question du maintien, et puis il y a la problématique de l'eau et des règles environnementales en ce moment.
Alors, sur l'eau, je pense que c'est le grand défi des 30 prochaines années, à la fois en France et dans le monde. Il y a, on connaît bien en France, les ressources en eau, donc il faut les protéger et les développer. Je ne vois pas de nouvelles, peut-être vous avez des idées sur cette protection et ce développement et comment on peut le faire. Ça doit être lié à tous les savoirs et les compétences qu'on a acquis sur l'eau en France pour les faire valoir dans les pays du Sud, dans une coopération qui soit un véritable co-développement. Donc c'est comme ça que je vois le problème de l'eau pour l'avenir. L'eau, aujourd'hui, on le sait, est une chose qui doit être mesurée à la fois pour ce qui est l'alimentation humaine, l'alimentation du bétail et en même temps l'irrigation. Donc évidemment, on a beaucoup critiqué cette question de l'eau en ce qui concerne le maïs. Et il faut établir des règles qui permettent de façon beaucoup plus équitable de pouvoir irriguer en particulier le maïs et le faire de manière où il n'y ait pas cette sorte d'accusation permanente dont font partie les agriculteurs à tort. Alors, avant une question de Claude Cochonneau, des chambres d'agriculture, cette question de la salle, ce témoignage, j'ai travaillé avec un cheval en maraîchage bio jusqu'en 1998, je n'ai pas du tout envie d'y revenir, donnez-nous les moyens d'utiliser les nouvelles technologies, y compris dans le bio. Oui, là c'est encore une fois la puissance publique qui doit prendre ses responsabilités. Si vous ne prenez pas, si vous n'avez pas cela, ou si vous n'encouragez pas ces mutations dans l'agriculture, si vous n'encouragez pas les moyens par lesquels ces mutations peuvent avoir lieu, je crois que si on fait tout un travail avec l'INRA sur les micro-organismes, les champignons et les bactéries dans le sol, on peut faire des avancées qui dépassent de loin le cheval tirant pour le maraîchage son attirail pour la terre. Donc là, il y a une vision du futur et pas l'illusion qu'on peut revenir au passé. Ceci dit, si des agriculteurs veulent pratiquer le maraîchage bio et le faire avec un cheval, ou dans la vigne aussi, et pas utiliser les robots, parce qu'il y a le robot OZ pour le maraîchage, il y a des robots aussi pour la vigne, et là, il faut donner les moyens d'acquérir ces robots et de les utiliser sur un long terme avec des amortissements, une politique d'amortissement organisée. Taxer les robots me paraît une ânerie. Organiser l'utilisation de ces robots avec des mesures favorisant et leur achat et leur amortissement à long terme, oui. Merci. Alors, Claude Cochonneau, des Chambres d'agriculture. Oui, Monsieur Cheminade, votre discours est audible. Vous faites des propositions qui sont qui pourraient être appréciées de la salle, notamment le plan... Le plan de refinancement conséquent que vous évoquez, donc il faudra quand même, trouver le financement par ailleurs. Néanmoins, comment envisagez-vous de conforter le revenu des agriculteurs en matière de partage de la valeur ajoutée au sein des filières? Est-ce que vous pensez légiférer sur le sujet ou proposer au Parlement de légiférer sur le sujet? Partage. Alors, de la valeur. On pense, cette campagne présidentielle, disons, à part les boules puantes qui circulent entre candidats et qui sont vraiment vulgaire et subalterne, je pense. Il y a également la chanson derrière tout ce qu'on dit. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Combien ça coûte? Et pas combien ça représente pour le futur ou combien ça coûte de ne pas le faire. Et ça, ça provoque ma colère parce que c'est tout à fait un état d'esprit différent de ce qu'il y avait il y a 40 ou 50 ans. On ne peut pas revenir au passé, mais on peut revenir à l'état d'esprit du passé. Alors, évidemment, l'argent, c'est quelque chose qui se produit, qui se fait. Aujourd'hui, M. Draghi, à la Banque Centrale Européenne, distribue 80 milliards, bientôt ce sera 60, mais c'est beaucoup, 960 milliards par an, dans quelque chose qui tourne en rond, entre dans les réseaux financiers, et qui ne va pas à l'économie productive, ni à l'agriculture, ni à l'industrie, ni à l'économie physique. Alors que moi, je dis, il faut que la France prenne l'autorité, le fasse, et voir dans quelles conditions, avec les autres pays européens, d'émettre 100 milliards par an, dont les 10 milliards pour l'agriculture en 5 ans que je vous ai mentionné pour la structuration des filières, et que cet argent, 100 milliards, on dit c'est énorme, d'où ça viendra, c'est pas possible. Si on prend la part de la France dans le produit intérieur brut européen, qui est 12,5%, et qu'on l'applique aux 960 milliards de Mario Draghi, ça fait 125 à 130 milliards par an, c'est-à-dire plus que les 100 milliards que je propose. Alors d'un côté, il y a 125 à 130 milliards pour la spéculation financière, de l'autre côté,
Il y a 100 milliards que je propose pour le développement de notre agriculture, de notre industrie et de tous les secteurs de services qui leur sont associés. Eh bien, je pense que c'est un choix, c'est celui-là le choix de l'avenir, et ce n'est pas combien ça coûte, combien ça coûte, combien ça coûte. Il y a une question sur l'encadrement par l'administration de toute l'activité agricole. Allez-vous supprimer des postes de fonctionnaires quand on a un fonctionnaire pour 28 agriculteurs, c'est-à-dire au fond mieux encadré qu'à l'école parfois? Alors c'est là que certains disent il faut en supprimer 50 000, puis recule jusqu'à 500 000, d'autres disent 100 000, d'autres... Ces chiffres sont n'importe quoi, et ça m'irrite aussi dans cette campagne. Il faut voir ce que font ces fonctionnaires, et en fonction de ce qu'ils font, en supprimer, et parfois, en ce qui concerne toute la question, ce ne sont pas des fonctionnaires, mais ils appartiennent au service public, dans les hôpitaux, sans doute, en ajouter dans certains secteurs. Mais de façon générale, on ne peut pas raisonner sur de grands chiffres. Il faut voir les activités et ce qu'ils font. Et de ce point de vue-là, évidemment, dans tous les services publics régionaux, il y a un problème qui est connu. Il y a un problème des heures de présence, il y a un problème du travail, il y a un problème où l'un regarde l'autre et où on ne pense pas à l'avenir. Et je crois que la pression que vous mettrez, vous, organisation professionnelle, sur les fonctionnaires, sera ce qui sera essentiel pour changer les choses. Où le fonctionnaire ne verra pas sa place comme sa mission, mais verra sa mission comme développer les productions et ce que font les autres. On est dans une France où on se regarde les uns les autres pour souvent dire du mal les uns des autres, au lieu d'essayer de travailler ensemble. Et cette campagne présidentielle est l'exemple même de cette perte de temps. Au lieu de penser à ce qu'on va faire pour le futur, on pense à critiquer le passé ou à se blâmer les uns les autres. Et on ne voit pas, on ne propose pas un projet pour l'avenir. Vous savez, au moment où il y avait un plan, Louis Armand disait « Tout plan est un pari sur l'avenir ». Les paris aujourd'hui, c'est dans les marchés financiers spéculatifs, ce n'est pas sur l'économie physique, ce n'est pas sur l'humain. Il faut faire un pari sur l'humain. Et ça, ce pari doit permettre de, disons, animer, bousculer, développer notre fonction publique. Et à ce moment-là, on verra ce qu'on peut supprimer et éventuellement, dans certains cas, ce qu'on peut ajouter. Merci. Alors, question de Christiane Lambert, la présidente. Une question, Monsieur Cheminade, sur l'Europe. Les chefs d'État réunis à Rome ce week-end ont acté le principe d'une Europe à géométrie variable par projet ou par grand dossier, par grand thème. Qu'en pensez-vous ? Êtes-vous attaché à une reconsidération du projet européen avec une Europe plus politique, moins juridique et moins technocratique ? Alors, moi, c'est une belle parole, mais je doute de leurs intentions. J'ai vu qu'à Versailles, c'était les coopérations renforcées. À Rome, c'est la géométrie variable. Ce sont de belles paroles, hein, c'est bien dit. Mais dans la réalité, je demande à voir. Et je pense que tant que l'Europe est associée à ses intérêts financiers, il faut le dire et le répéter, ce sera une Europe occupée, occupée par ses intérêts financiers. Qui exerce le vrai pouvoir ? Mario Draghi et sa Banque centrale européenne, en réalité. Ce ne sont pas les institutions de Bruxelles, contrairement à ce qu'on croit. Donc, les institutions de Bruxelles sont sous influence aussi. De mon temps, quand je représentais la France en Europe, il y avait 700, 800 lobbyistes. Maintenant, il y en a 30 000. C'est ça la vraie histoire de l'Europe et de l'Europe telle qu'elle est. Donc, elle ne peut se refaire que si, comme je pense qu'on peut animer les administrations, on anime l'Europe en lui redonnant le sens d'une Europe des patries et des projets. Et c'est pour ça que je suis pour sortir de l'euro, afin de créer un choc qui nous permette que l'Europe se ressaisisse. Ce n'est pas quand on sort, hein, il faut avoir un projet. Si on sort sans avoir de projet, ben on sort, il n'y a plus rien, on tombe par terre, on est désorienté. Il faut avoir un projet pour l'avenir. Et ce que je propose dans toute ma campagne, c'est ce projet pour l'avenir, pour l'Europe et pour le monde. Et aujourd'hui, le moment est venu, parce qu'à l'horizon, il se dessine, je n'ai pas de boule de cristal, hein, je ne peux pas vous dire quand, mais il se dessine une grande crise financière, parce qu'on a continué après 2008-2009 à arroser avec de l'argent, et on n'a pas pris la décision de mettre des initiatives pour vivre ensemble, les initiatives communes de l'humanité, on ne l'a pas fait. Donc, on a peu à peu un système qui se décompose dans un monétarisme, dans une Europe de l'argent et un monde de l'argent. Donc, si on ne combat pas ça, le reste, ce sont de belles paroles. Je le dirai et je le répéterai, des paroles en l'air. Alors, Jacques Cheminade, vous êtes presque arrivé, mesdames et messieurs, au bout de votre temps. En vous demandant encore un peu de patience et de concentration, s'il vous plaît,
Je vous propose de conclure avant que nous enchaînions avec le dernier des candidats qui se présente aujourd'hui devant le monde agricole, Jacques Cheminade. Alors, je voudrais revenir à cet effort pour l'agriculture, parce que si on ne fait pas face à la détresse de l'agriculture aujourd'hui, encore une fois, on l'arrose de belles paroles et ni d'argent, ni d'initiative. Donc, il faut se battre pour que cette France soit la France, village et monde, et qu'on revienne à des jours heureux. Je pense que le pessimisme des Français, c'est quelque chose de terrible. Il faut penser que nos enfants, nos petits-enfants, vivront mieux que nous dans l'agriculture du futur. Alors, je le vois dans un état d'esprit, et je veux y revenir, sur les maisons familiales rurales, où là, à la fois on forme des gens, on intègre et on prépare le futur avec la famille associée à l'école, l'école associée à la vie sociale, et on a une France en petit qui devrait être ce qu'est la France en grand. C'est ça, la République. Et les gens qui ont animé ces maisons avaient un certain état d'esprit, l'ont encore. On ne le sait pas. Moi-même, quand il y a une dizaine d'années, je l'ai appris, 507 établissements en France, 65 000 personnes dans ces maisons familiales rurales. C'est là qu'est un exemple. Et il faut partout, partout donner l'exemple. L'exemple, vous le donnez par vos productions, vous le donnez en modernisant vos exploitations, vous le donnez en rendant justice à ceux qui travaillent. Eh bien, il faut créer cet état d'esprit de façon beaucoup plus élargie. Et dans cette campagne présidentielle, je ne vois pas du tout cet état d'esprit. Je vois le contraire. C'est pour ça que je suis candidat. Merci, Jacques Cheminade. Si vous voulez bien, merci de votre présence ici à Brest. Merci de